Voilà, je vous laisse la parole. Je vais être très bref. Merci d'être venu. J'ai fait 30 ans de films en pellicule, et puis je suis entré en vidéo avec ce film. Et tout à fait en douceur, puisque j'avais une caméra vidéo, je continuais à faire des films en 35 mm, et un jour, la personne avec laquelle je commençais à vivre, c'était l'histoire d'une rencontre, a ramené du marché une dorade royale. Je lui ai demandé de la filmer, parce que je trouvais, et je lui ai demandé le prix. Alors, elle m'a donné le prix, et le film a commencé comme ça, et le premier plan du film, je crois, c'est une histoire de dorade. Pourquoi ce film ? Et c'est pourquoi filmer, pourquoi je suis devenu filmeur, pourquoi j'ai commencé par raconter des histoires avec des comédiens et que petit à petit, pour aller chercher autre chose et parce que le matériel même, je veux dire, évoluait, je me suis dit, il y a autre chose à filmer. Et petit à petit, je me suis aperçu que ce qui m'entourait, c'était ça qui me plaisait, moi. Alors je me suis posé des tas de questions d'homme de spectacle. Ce qui me plaît n'est pas forcément de plaire à une salle. Alors j'ai conservé ce côté personnel, mais j'ai essayé de le structurer dans son élaboration, dans son exposition, de respecter les règles du... la construction des histoires avec une exposition, avec une fin. Et là, c'était un film sans fin. Parce que quand vous continuez à vivre avec quelqu'un, la seule fin, c'est une séparation. Hein. Il n'y a pas d'autre dans les histoires. Alors c'est pour ça que, heureusement, qu'elle m'a dit à un moment que ce que nous vivons, si tu continues à le filmer, ne nous appartiendra plus, donc c'était l'interdiction de filmer qui m'a offert la fin. Ça pour vous dire que, effectivement, je ne peux pas répondre à votre première question, pourquoi, mais pourquoi en faire un film et vous le présenter à vous, voilà. C'est-à-dire que je suis un homme de spectacle qui a travaillé énormément la construction de ces films à histoire et à comédien, et quand je suis passé à un autre type de film, j'ai gardé ça, voilà, pour continuer à communiquer quand même, malgré la particularité des films, avec ce que j'appelle la salle. Je suis né dans la salle et je mourrai dans la salle, voilà. Mais vous répondre massivement pourquoi, c'est peut-être pour simplement, avec des images et des sons, célébrer quelque chose qui était important dans ma vie, par exemple. Je pourrais vous répondre ça. Et peut-être éveiller chez chacun une sorte de vision fraternelle de sa propre vie et de voir pendant le temps de la projection comment il l'a regardé, lui, sa propre vie. Parce que là, il est témoin de quelqu'un qui la regarde. Donc, il pourrait y avoir, à part chez tout le monde, mais un petit aller et retour, voilà. Entièrement sur le sentiment amoureux. Parce qu'en dehors du sentiment amoureux, il n'y a pas de film. Le film ne vit que de ça. Hein. Donc on se dit, il y a Françoise, Alain, et un pied caméra avec une caméra dessus, donc quand même un acte assez, on va dire, prémédité. Mais en même temps, ce qui est très fort, c'est qu'on a toujours l'impression que la caméra, elle est là pour capter ce qu'il y a de bien la première fois, et qu'on n'a pas, on n'a jamais l'impression que les choses sont faites parce qu'il y a une caméra. La caméra, elle est juste là et elle documente ce qui n'était pas avant, et ce qui arrive et ce qui advient pour la première fois. Et c'est ça qui est très fort, en fait. Et moi, j'ai envie de dire, c'est sans doute pour ça que le film existe. C'est
pour documenter, pour faire, pour créer une sorte d'archive universelle d'une histoire d'amour naissante, en fait. Le problème des gens qui parlent dans un micro, qui présentent leur visage, c'est que s'il y a un texte avant, s'il y a une préparation, il y a une mémoire qui fonctionne, le texte, il faut le dire, c'est pas la parole, c'est pas la parole. Et dans le film, il n'y a jamais eu de texte, c'est-à-dire qu'on mettait en place un petit dispositif, effectivement, et puis on se lançait, on allait. Alors, c'était le même, quelquefois, c'est 20 secondes d'une petite conversation qui fait 3 ou 4 minutes. Il y a toute une série d'astuces pour donner ce côté, et on ne refaisait jamais les choses. Ce qui fait que, pour obtenir ce que vous dites, c'est le direct, le spontané, ce qui n'est pas fabriqué. Ce qui n'est pas fabriqué. C'est ça l'obsession des cinéastes qui ont un pouvoir sur vous, qui peuvent fabriquer des images pour provoquer des sentiments chez vous, et qui orchestrent tous les plans en fonction de ça. Moi, j'orchestre mes plans maintenant en fonction uniquement de mon propre sentiment. Est-ce qu'il est juste, et est-ce que l'image et le son que je fais est juste par rapport à ce que je ressens? Et point à la ligne. Je ne cherche pas à vous emmener. Là, je savais que, en faisant le film, je pouvais emmener les spectateurs, j'oserais dire, un peu dans l'amour. Hein, comme Thérèse, que j'avais fait avant, qui a été très bien accueillie par le public, parce qu'il était entièrement dans l'amour. Mais ça, c'était une forme tout à fait différente. Quand vous êtes là, vous êtes quand même sur un terrain qui est partagé par tout le monde. Sauf, j'ai remarqué, là, finalement, le cinéaste, je me dédouble un petit peu, n'était pas astucieux, c'est que de temps en temps, il faut sortir du duo. Il faut aller ailleurs. Et je trouvais, par exemple, les chars d'assaut, les corbeilles dans le métro, qui sont... S'il n'y a pas ça, le couple n'est pas intéressant, parce qu'il vit là-dedans aussi. Alors, heureusement que là, il y a de temps en temps une situation dans une époque, quoi, et dans l'histoire du genre humain, si j'ose dire. Est-ce que c'est un film qui a été fait à deux? Ou est-ce que c'est vraiment votre film? Ouais. Que je me souvienne bien, parce que ma mémoire, quelquefois... c'est mieux, alors, vous commencez à cadrer des moments de votre vie à filmer, et puis un jour, vous projetez ça. D'abord, vous mettez un certain temps à vous le projeter. Vous laissez filer la chose comme ça, et puis un jour, vous projetez la cassette, c'était des cassettes à cette époque-là. Et vous vous dites que vous êtes cinéaste, effectivement, quand vous filmez votre vie, c'est un cinéaste qui filme. Et vous dites, tiens, il y a quelque chose qui se passe là. Et puis, vous en tirez un peu l'idée, parce que vous vous dites, bon, c'est très joli, il y a 15 minutes amusantes, mais un film, c'est autre chose. Alors vous laissez tomber, mais vous continuez à filmer. Et comme Françoise avait travaillé avec un documentariste très intéressant, il s'appelle François Reichenbach, elle était impliquée dans le cinéma. Donc elle était consciente de ce que je faisais. C'était pas... Puis petit à petit, on a fini par travailler tous les deux, se mettre devant la pellicule, puis couper des petits morceaux, mettre les plans les uns derrière les autres, et puis on a construit le film ensemble. Et comme moi, elle savait manipuler la vidéo, moi pas du tout, je ne l'ai jamais appris d'ailleurs, et je l'entendais qui faisait clac, 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 clac. Et elle est entrée dans le film. Mais elle ne m'a jamais, sur le tournage, fait une observation. Elle n'a jamais demandé de tourner un plan. C'est-à-dire qu'elle a été d'une sorte d'intelligence
C'est-à-dire qu'elle ne s'occupait que qu'on soit ensemble devant le résultat et de prendre quelques décisions à deux. Voilà. Pourquoi ne pas avoir gardé le secret du visage, l'avoir dévoilé? Alors, ça c'est une question presque de cinéaste. Hein. C'est que on avait, à chaque fois qu'on fait un plan, d'abord, je suis pressé de les faire, parce que c'est au moment où la vie se déroule devant moi qu'il faut que je prenne ma caméra, il faut que je filme, et puis en même temps, il faut que je parle, parce que ce n'est pas des phrases qui ont été rajoutées, c'est fait dans le mouvement. Une bonne question, attendez. Le secret du visage. Pourquoi elle n'a pas le dévoiler le visage. Oui. Alors, au début, je faisais très soin pour ne pas la gêner, de ne pas prendre son visage. Et elle était beaucoup plus libre. Simplement avec sa parole. Je volais sa parole, mais pas son visage. Et petit à petit, ça a constitué la structure du film. Le film s'est équilibré autour de ça. Et quand j'ai voulu revenir à son visage, j'avais l'impression de tourner un film avec des acteurs. Vous voyez ? On voyait ça dans les autres films. Ce film-là rejetait ce type d'image. Alors je me suis dit, c'est quand même difficile. Moi, j'avais décidé, de toute façon, je lui avais dit, moi, je ne montrerai pas. À la base, je fais le film, je te regarde, je nous regarde, mais c'est pas la peine que je retourne la caméra vers moi, c'est pas utile. C'est ce que je pensais. Et puis petit à petit, je me suis dit, quand le film est devenu un film, c'est-à-dire quand on a eu conscience que c'était un film et qu'on a monté ce qui existait déjà et qu'il a fallu le finir, que est-ce qu'on pouvait imposer au spectateur une absence de visage pendant une heure bas, quoi. Alors, j'ai décidé de le montrer par fragments. C'est-à-dire, j'ai trouvé une solution qui corresponde à celle du film, c'est-à-dire au rapproché, aux objets et au paysage qui était pris plutôt en gros plan, et j'ai construit un corps entier. Vous voyez le corps entier, mais petit à petit, par morceaux. Voilà. Donc c'est un... Effectivement, c'est un secret. Et il est très facilement... Personne n'a fait l'expérience. Moi, si j'avais tenu un petit journal de cinéma, il y a un moment où on la voit sur deux images. Quand elle s'avance de la mer, on la voit parfaitement nettement. On aurait pu sortir un photogramme et c'est à voir exactement quel visage. Mais vous voyez, c'est la loi du film qui petit à petit vous impose une certaine façon de filmer et rejette une autre. Bon, elle est partie prenante des choix que vous faisiez, que vous faites, par contre. Ah, mais elle est tout le temps, j'oserais dire, en scène. Oui, hein, tout le temps. Mais je lui demandais si elle voulait bien le faire. Oui. Et quelquefois, elle me disait non. Et non, c'était des rapports assez simples. C'est une affaire entre cinéastes, vous voyez. Et je me suis toujours posé la question, les films intimes, mais je dis d'une grande intimité, parce que ça, c'est une intimité quand même un peu transposée, hein. Elle est quand même d'une vraie intimité, réelle, entre un homme et une femme, qu'on n'a jamais eu encore aujourd'hui au cinéma. Je parle de l'intimité totale, hein, totale. Et j'attends avec impatience, je ne le verrai certainement pas moi-même, hélas, un couple formidable qui, un jour, fait un film où il filme absolument tout. Ils sont tous les deux filmeurs, il faut qu'ils soient tous les deux filmeurs. Et leur vie réelle. Et ça, on serait très surpris entre la distance qu'il y aurait entre ce travail-là et ce qu'on voit à l'écran, surtout dans les choses de l'amour, surtout dans les choses de l'amour. Ça, le cinéma est encore très, très, très un peu enfantin, un peu nul, un peu adolescent boutonneux, et
ça ne va pas du tout. Pardon, je n'ai pas tout à fait fini. Est-ce que quelquefois, elle vous a demandé de filmer certaines choses? Par exemple, on la voit beaucoup avec des oiseaux morts. À plusieurs reprises, ça revient à ça. Est-ce que c'est elle qui vous a demandé de filmer ça, ou est-ce que c'est, ça s'est trouvé comme ça? C'est mon goût un petit peu morbide pour les... J'ai filmé mon père au bord de la mort, oui. J'ai filmé dans un autre film mon père mort, ce qui fait que je ne peux plus demander à un acteur de faire le mort, parce que ça peut paraître absolument grotesque. Et non, c'est moi qui, c'est moi-même qui plaçais la main, et oui, il faut lui placer la main. Hein. Et en fait, c'était la première fois que je voyais un film qui filmait un petit théâtre comme ça, aussi proche, aussi minuscule près du filmeur. Et ça m'avait bouleversé, en fait. Et là, ça m'a à nouveau bouleversé. Alors, quand j'étais jeune homme, moi, j'adorais aller voir les westerns parce qu'il y avait des grands paysages. Hein, et ça me distrayait. Hein. Mais je me suis aperçu que dans la vie, comme j'étais... Je ne le suis plus parce que j'étais opéré de la cataracte. Comme j'étais myope, les détails me donnaient le tout. Je commençais par les détails, et puis après, une fois j'inventais le tout, ou je l'avais après. Mais j'ai toujours vécu le nez un peu sur les visages, sur les mains, sur les choses. Donc, ce sont des films de myope. Voilà, c'est des films de myope. Qui ne couvre pas entièrement la vie, mais quelquefois dans le détail, on a toute la vie. Hein, si le détail est très concentré. Voilà. Le titre est merveilleux, La rencontre. C'est parce que ce qui est très beau dans le film, c'est qu'évidemment, la rencontre, il n'y a pas qu'une rencontre, il n'y a pas que la vôtre, effectivement, il n'y a pas que la rencontre amoureuse, c'est que. Une rencontre, c'est quoi? C'est une première fois et c'est un contact. Et je dirais que c'est l'affaire de chaque plan. Ce qui est très beau dans le film, c'est que chaque plan apparaît comme unique, comme une première fois, et il est toujours question de contact aussi. C'est-à-dire un objet au contact d'un autre, un objet qui est posé sur une table, et c'est la rencontre de cet objet avec la table. C'est la rencontre de l'escargot avec le corps de Françoise. C'est la rencontre... Et c'est ce qui est très émouvant dans le film, plan par plan. C'est-à-dire que, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, je pense que chacun peut le ressentir de différentes façons, mais chaque plan est une venue, d'une certaine façon, et célèbre d'une certaine manière aussi la rencontre entre deux corps, qui peuvent être deux objets, etc. Et ce que je trouve très, là aussi très, très, très émouvant, c'est que c'est votre histoire... unique, singulière, mais qu'elle peut effectivement s'ouvrir à un imaginaire beaucoup plus grand, et c'est la force de la voix, par exemple, de votre voix, à vous, de celle de votre compagne, qui ouvre chaque plan sur des contrées comme ça d'histoire très 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 belles que chaque spectateur peut effectivement s'approprier. Et c'est ce qui est très... C'est pour ça que pour répondre à la question de... Effectivement, pourquoi le film, et vous avez très bien répondu sur la question de cette expérience-là qui est la vôtre, peut être la nôtre par une sorte d'identification, etc. Mais surtout par la question simplement du sentiment de découvrir chaque plan et de rencontrer chaque plan. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée-là, que chaque plan est une rencontre. Et là, je vous rencontre, hein, pour faire un peu des liaisons hein, qu'on ne fait pas entre les plans. Je ne présentais pas ce film-là, je ne parlais pas au public pendant des années et des années, je ne pouvais pas du tout le... Puis maintenant que le temps est passé, je me détache un peu du film pour ne l'analyser que par rapport à mon parcours de travail. Hein. Je ne suis plus dans l'émotion et dans la difficulté et en même temps le plaisir de communiquer avec les spectateurs, la pudeur, tout ça. Maintenant, ça n'a plus de... Et je l'ai regardé, là, le film. Ce qui est étrange, c'est que c'est mon premier film subjectif, disons, intime, et qu'il est entièrement sur pied. Il n'y a pas un plan à la main, pratiquement.
et qu'après, j'ai commencé à devenir un instrumentiste, c'est-à-dire à tenir la caméra à la main et à me trouver dans un état de souplesse et de réaction et de précision par rapport à ce que je filmais, 10 fois supérieur. Et j'ai appris la caméra, parce que là, je ne l'avais pas apprise, donc, comme dans mes films, elle était sur pied, mais elle était vraiment à côté, intimement à côté de nous. Mais je voyais tout le temps le pied à côté de nous. Alors que là, je la pose sur ma table de nuit, je l'ai dans mon sac, c'est un passage familier, comme si j'avais une petite flûte, voilà. Et c'est un pas énorme. Moi, j'ai commencé avec des grosses caméras, avec un cadreur, un pointeur, un chargeur, un chef opérateur, etc. Un opéra. Et je termine ma vie de cinéaste avec un bonheur fou, avec une caméra que j'ai dans ma poche. C'est-à-dire mon outil de travail, mon instrument de travail, mon piano, mon pinceau, mon porte-plume. Voilà, j'y suis. Et ça a été j'ai fait ça il y a 22 ans, c'est ma première libération économique, cinématographique. Mental, sans équipe. Moi, je trouve que c'est un film très intime. J'avais déjà vu Irène, j'avais trouvé très intime. Celui-là, je le trouve encore plus intime. Oui, il l'est. Et très touchant. Ouais. Et vous avez une science de l'image, un art de l'image extraordinaire, et des couleurs. Rien que pour quelques images, ça vaut le coup de voir votre film. Il y a des choses ça, très, très belles. C'est le début de la vidéo, ça. C'est un vieux système. Et c'est un film qui a été tourné en vidéo, mais qui a été projeté dans les salles en 35 mm. Et pour passer de la vidéo au 35 mm, c'était des sommes, mais incroyables. Et que je n'avais pas, que le film n'avait pas. Alors c'est un film qui est photographié en 35 mm sur une télévision. Ce qui lui donne son côté un petit peu, on voit de temps en temps un peu une trame, hein, parce que la télévision c'est un balayage, vous voyez, c'est comme ça. Et donc ça n'a coûté que la pellicule sur d'une heure et demie, un négatif et un positif et un négatif. Quel a été votre laps de temps pour réaliser ce film ? Ça a dû être fait autour même pas une année, hein, c'est l'année 64. Donc ça fait 22 ans, voilà. Il l'avait fait par fragments ? Oui. Oui, et puis j'ai fait autre chose, et puis il y avait des périodes sèches, hein, et puis il y avait des déchets. Il a fallu organiser ces morceaux, voilà. Vous passez à autre chose, c'est jamais découpé en fait, c'est juste un petit moment de temps. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de comment vous décidez d'orchestrer vos plans au sein du film, comment ça marche ? C'est-à-dire que moi, comment fonctionne la vie, c'est ma base. C'est-à-dire comment je vis et comment je filme doit ressembler à comment je vis. Donc, c'est l'ordre chronologique d'abord. Une chose qui s'est passée après une autre, on n'en avait pas avant, parce que ça ne marchera pas. C'est une idée absurde, mais en même temps, j'y crois. Donc, il y a d'abord l'ordre naturel du tournage qui est respecté. C'est déjà énorme. Hein. Et puis, bon, ce qui est mauvais tombe, et ce qui reste, on garde ce qui... les plans qui s'attirent, mais jamais un instant, c'est-à-dire dans des films, par exemple, quand il y a une scène de ménage entre un homme et une femme, il y a plusieurs plans, etc., ça monte, ça descend, etc., et les gens croient qu'il y a une continuité, mais en fait, c'est fait de plusieurs plans qui mettent quelquefois des heures à être tournés chacun, mais les acteurs doivent raccorder sur tout ça, et en fait, c'est une succession de choses qui ne vont pas ensemble, qui font semblant d'aller ensemble. Alors moi, je n'ai choisi qu'en continuité.
Alors, ça commence, ça se termine, et après, c'est autre chose. C'est autre chose, après. Donc, alors, le problème, c'est quand commence un plan et quand il se termine. C'est-à-dire, il faut qu'il commence moyen et qu'il monte. Et puis, dès qu'il commence à un tout petit peu à perdre son souffle, etc., il faut couper. Chacun coupe à sa façon. Et selon l'époque de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui l'attirent, alors il a tendance à les laisser un peu plus longtemps. Il y a des choses qui l'attirent moins, à les couper, mais le film, quelquefois, réclame le contraire. Il y a quelquefois une bisbille entre le cinéaste et son film. Mais est-ce que tout est en direct, par exemple, au moment où le comprimé est effervescent Tout à fait en direct. Si vous écoutez bien, si vous êtes dans le son, ça ne peut pas être doublé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas refaire d'un côté, avoir le son direct du et en même temps que la voix soit aussi mélangée. Mais un cachet qui se dissout dans l'eau, ça m'a toujours fasciné dans la vie. Je me dis, un jour, peut-être que j'en filmerai. Hein. Et quand le jour arrive, vous êtes quand même intérieurement très boosté. Vous êtes boosté par cette envie que vous avez depuis longtemps de filmer quelque chose. Mais dans quel contexte? C'est à ce moment-là que ça peut durer de longtemps. Et puis vous mourrez, vous ne l'avez pas fait. Hein, des tas de films qui solvent des tas d'envies. Et là, je suis arrivé à un moment du film où ça m'est apparu très, très fort. Mais il fallait trouver le verre. Il fallait voir à quelle hauteur d'eau il fallait mettre, dans quelle lumière. C'est là où il faut travailler. C'est là où on travaille. Et au moment où votre image est faite, sur pied, vous n'écrivez surtout pas de texte, vous y allez. Prenez votre inspiration et vous plongez dans la piscine. Alors ça marche ou ça marche pas? Là, je trouve que ça marche avec sur le cachet. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une image qui vous plaise ou un moment qui vous plaît, je ne sais pas, pour les plans en voiture par exemple, si vous l'avez rencontré une fois, vous vous remettez en situation de pouvoir refilmer avec un son direct, avec le fait de retrouver l'émotion à ce moment-là. Il y a un plan, par exemple, dans la voiture où il pleut, je suis à l'intérieur de la voiture, je l'ai vu là, ça m'a rappelé quelque chose. Et qui dure un petit peu, je parle de choses un peu, puis il y a un silence, etc. Ça m'a intéressé parce que s'il n'y avait pas eu une chute, le plan aurait dû être coupé bien avant. Mais à un moment, elle rentre dans la voiture. Et elle dit deux phrases en direct, comme ça, très banales, qui fait que cette attente a une raison. A une raison. Alors ça, c'est des accidents. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé à l'intérieur de la voiture, je ne savais pas que ce plan... Ça m'intéressait de parler à l'intérieur de cette voiture avec la pluie. Mais c'est le hasard, l'imprévu. Elle est rentrée dans la voiture off et elle a fait la fin du plan. Donc le plan existe à cause de ça. C'est un mélange de travail et d'imprévu. Sur la question des histoires, c'est-à-dire que le film, pour moi, est gorgé d'histoires à partir de celles de... d'Alain et de Françoise, et que voilà, et tout, c'est vrai que chaque plan, moi, c'est vrai que le plan de l'escargot là, qui glisse sur le corps, etc. Voilà, c'est une petite histoire pour moi, enfin, c'est une petite aventure d'une certaine façon. Et d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser, puisqu'on peut établir comme ça des effets d'écho, de rime entre les plans, même à distance plus ou moins régulière. Il y a beaucoup de questions de sommeil dans le film, ça revient souvent. La question du sommeil, des personnes qui dorment, etc. Il y a le plan de votre père, il y a quelques plans de Françoise en train de dormir, avec le chat notamment. Le passage très drôle sur Arsène Lupin, par exemple. Vous voyez une page d'Arsène Lupin, ça amène le sommeil. Est-ce que... Je trouve ça très beau, cette reprise comme ça, de l'idée de sommeil, de la somnolence, de la rêverie. Quelque chose qui, dans le montage, vous est apparu comme ça un peu évident. Il y a des objets quand même, le lit, rien n'est plus filmable qu'un lit, hein.
n'importe quel cinéaste qui filme en dessous du niveau de la mer filme bien un lit. Hein. Et les personnes qui dorment, c'est fascinant parce que on peut leur voler leur image tranquillement. Hein. Ils sont très concentrés sur eux-mêmes, c'est magnifique.